Loi de l'attraction et l'amour, comment visualiser l'être aimé? Alors, j'ai reçu beaucoup de questions concernant la visualisation de la personne que l'on veut avoir dans sa vie. Et la plupart des gens me posent une question similaire qui est la suivante. Est-ce que je visualise la personne que je désire, la vraie personne que je connais, que j'ai envie d'attirer dans ma vie, qui s'appelle Pierre ou Paul? Ou bien Marie, ou bien est-ce que je visualise une relation d'amour idéale? Alors, la réponse, la voici. Je vous conseille fortement de ne pas visualiser une personne en particulier. Et la raison est la suivante, c'est que la loi de l'attraction n'est pas faite pour attirer une personne en particulier dans votre vie, mais c'est pour attirer la meilleure personne dans votre vie. Par conséquent, si vous pratiquez la loi de l'attraction et vous mettez énormément d'emphase pour attirer une personne précise, particulière dans votre vie, vous allez peut-être l'attirer. Mais est-ce que ce sera vraiment la meilleure personne pour vous? Vous allez peut-être l'attirer et après ça le regretter. Par conséquent, ce que je vous conseille fortement, c'est de visualiser des moments de relations, de belles relations avec la personne de vos rêves. Donc que ce soit de se promener main dans la main, de se tenir l'un dans l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Que ce soit de s'embrasser, que ce soit de dîner ensemble, que ce soit d'aller dans un restaurant ensemble, enfin, de visualiser des scènes de couple, des scènes de vie de couple qui vous font vraiment plaisir, et surtout de visualiser ces scènes-là de couple avec le sentiment que vous êtes déjà en couple. D'accord, c'est très important, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de visualiser en ayant un sentiment de manque. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va creuser le fossé entre vous et ce que vous désirez avoir. Donc c'est bien important, lorsque vous visualisez, de visualiser avec un sentiment de j'ai déjà, donc un sentiment de contentement, un sentiment de soulagement. Dans le cours sur la loi d'attraction que j'offre sur Attractitude, j'enseigne beaucoup la respiration, la méditation et d'autres moyens qui vous permettent justement de contrôler vos émotions et en fait, d'être capable de développer certaines émotions quand vous en avez besoin pour les associer par exemple à la visualisation. Donc, c'est vraiment important de le faire de cette façon-là parce que si vous imaginez des belles scènes de vie de couple mais que vous les imaginez en même temps que vous pensez je ne l'ai pas, c'est ça que vous allez vous attraper, attirer. Et surtout, 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 ne passez pas de temps à vous lamenter sur votre solitude, à vous lamenter sur le fait que vous n'êtes pas encore en couple, parce que c'est ça que vous allez aussi vous attirer. Donc, dès qu'il y a un sentiment très, très fort associé à une image, eh bien, c'est ça que vous risquez de vous attirer. Donc, les larmes avec je suis tout seul et personne ne m'aime va aussi vous attirer du je suis tout seul et personne ne m'aime. Donc, faites attention. Et n'en mettez pas trop là-dessus. Donc, toujours, dès que vous allez vous sentir seul, eh bien, dites-vous, rappelez-vous, regardez des belles images d'amour et baignez-vous dans le fait que vous êtes déjà en couple. D'accord? Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup.